Toujours sur la côte nord de l'île d'Oahu, Shark Cove est un endroit idéal pour faire de la plongée en apnée, ce qui permet de découvrir un autre monde et d'observer la faune dans son habitat naturel. Même si le corail manque, cette zone composée de récifs et de roches volcaniques est assez riche de vie. C'est un chouette terrain de jeu pour les poissons tropicaux qui jouent à cache-cache dans ces crevasses et ces grottes de cette crique d'Hawaï. C'est fascinant à quel point sous l'eau, avec cette sensation d'apesanteur, le silence règne. La découverte d'un autre monde, c'est un vrai moment de détente et de paix face à cette beauté des fonds marins. Je suis amateur de surf depuis plus de 20 ans, et j'ai toujours rêvé qu'un jour, je voyagerai à Hawaï et je foulerai le sable de Pipeline. Et aujourd'hui, nous y sommes, pour un magnifique coucher de soleil. Pipeline est le spot de surf le plus populaire au monde, avec sa mythique vague qui se fracasse sur un récif ultra tranchant. Et c'est ici que Phil Edward dompta pour la première fois cette vague dans les années 50 et marqua le cours de l'histoire du surf. Jusqu'à l'arrivée du grand Kelly Slater dans les années 90, il est considéré comme le meilleur surfeur de tous les temps. Il a remporté plus de 50 victoires en Coupe du Monde, ce qui en fait le plus gros palmarès de toute l'histoire du surf professionnel. Nous sommes en été, la mer semble si calme, mais c'est en hiver que la houle se déchaîne et offre des vagues allant jusqu'à 7 mètres de haut.
Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir cette île qui offre tellement de choses, avec ses paysages magnifiques et cette nature abondante qui impose le respect. C'est ici, avec ce magnifique coucher de soleil, sur l'une des plus belles plages au monde, que se termine notre aventure sur l'île d'Oahu. Notre prochaine destination est l'île de Kauai, surnommée le Jardin d'Hawaï. Alors restez connectés et n'hésitez pas à suivre nos aventures.